S'est tenue à Nagoya, au Japon, la conférence mondiale sur l'éducation au développement durable. Elle avait deux finalités. Euh, faire un point sur ce qu'on appelle la décennie du développement durable. Dix ans de réflexion, de mise en pratique et d'études de cas confortées sur le développement durable et son éducation. La deuxième finalité, c'était initier un nouveau programme d'action pour 2015 et après, ce qu'on appelait le, le Global Programme Action. Quand on regarde un petit peu les, les notions fondamentales de cette décennie, ce qu'on a voulu en fait euh, initier, promulguer, on insiste beaucoup sur quel type de connaissances, de compétences, d'attitudes, voire de valeurs doit initier l'éducation au développement durable. En fait, tout simplement, quel rapport on a aujourd'hui entre le savoir, les compétences et bien sûr la communauté des apprenants. Ça fait référence en fait à, à deux voire trois idées fondamentales dans cette décennie qui doivent marquer un petit peu notre forme d'éducation au développement durable. La première, c'est de rappeler que dès qu'on parle d'éducation, on est centré sur une approche très thématique. Les thèmes sont fondamentaux. Il y a une éducation à la biodiversité, au changement climatique, à la solidarité. Et ces thèmes, bien sûr, on va le voir, ont une implication forte sur la manière de transmettre ces connaissances. La deuxième idée, c'est les méthodes. On insiste beaucoup sur la participation. L'idée, c'est de rendre responsables, autonomes les apprenants, voire euh, d'arriver à modifier des comportements à travers l'action. La troisième idée, c'est de dire qu'on peut avoir un esprit critique, très ouvert, sais-je pas de critiquer pour critiquer, mais d'avoir une co-construction de savoir. Et pourquoi pas imaginer des scénarios de prospective, voir comment prendre des décisions en commun. Alors bien entendu, l'éducation change radicalement les choses et la décennie a porté ces projets. Euh, changer radicalement les choses signifie ne plus rentrer par les disciplines, rentrer par les thématiques et montrer en quoi elles sont transversales. Elles, quoi, elles fixent des limites et elles repoussent les disciplines. La deuxième chose, c'est de trouver les enjeux. Les enjeux sont à la fois sociaux, environnementaux, économiques. On peut parler d'une disparition de la biodiversité, par exemple, de changements et de risques climatiques. Mais si on garde bien les choses, il faut aussi préparer à l'action. Et la décennie est reposée sur des études de cas qui préparaient à mettre, à mouvoir, à avoir des compétences tirées par l'action. Enfin, les valeurs. Les valeurs jouent un rôle très important. Et on va le voir, cette décennie a fixé 8 à 10 thématiques dont les valeurs, effectivement, étaient porteuses d'éducation. Ces valeurs jouent un rôle très important. L'altruisme, par exemple, peut être une valeur très forte dans les projets éducatifs. Ça peut être aussi réfléchir sur les sphères de la durabilité. Restons, est-ce que l'on reste réellement sur l'environnement, l'économique, le social? Ça renvoie aussi à l'apprentissage. Ça ne concerne pas uniquement les enfants, ça tient compte des adultes, et donc il faut promouvoir l'apprentissage tout au long de la durée de vie. C'est également ancré dans la culture, qui est très locale. Si on revient à la logique pensée globale, agir local, la culture est ancrée. Bien sûr, localement. On a besoin de cette dimension forte dans le développement durable. Et puis réfléchir sur les techniques, euh, comment rendre les gens plus responsables, plus autonomes, euh, comment travailler et collaborer et non pas coopérer. Et on voit que l'interdisciplinarité, le travail en commun, euh, a été un élément important dans les projets de l'UNESCO et donc de la décennie pour promouvoir une forme de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté dont le développement durable serait forcément euh, un fil qu'on tient et qu'on veut tisser. Enfin, finalement, le, le dernier élément qu'on va introduire, c'est le pont entre l'éducation formelle et informelle. Il faut rappeler qu'on a très formalisé l'éducation dans nos cursus, dans nos programmes, dans nos curriculums, mais qu'il existe une éducation de terrain, celle qui vient des ONG, du monde, de l'association, et forcément, c'est intéressant de voir comment tisser ce lien entre ces deux formes de formalisation et de non-formalisation. Alors, bien sûr, on peut faire un lien direct entre la décennie de l'UNESCO avec l'EDD, comme on l'appelle, et puis les ODD, Objectifs du Développement Durable. Alors, en 2000, ce type d'objectif était signé par une centaine de pays et on avait retenu huit objectifs. En 2015, ils sont 17. Alors, bien sûr, on retrouve les grandes thématiques éradiquer la pauvreté, lutter contre la faim, jouer sur la santé, et puis, bien sûr, un ODD consacré à l'éducation. Comment dynamiser, comment rendre l'éducation plus qualitative et l'éducation au développement durable participe à cette logique. Elle y participe parce que elle renvoie une donnée culturelle. L'éducation est bien sûr est à une empreinte forte dans la culture. Elle renvoie à la vie ensemble. Comment effectivement intégrer le mieux vivre, ce que s'appelle le de visir dans nos considérations. Et finalement, elle ouvre la porte à pas mal de choses sur la notion de diversité. Les enjeux qui vont coller effectivement à l'éducation, au développement durable. En fait, ça nous renvoie vraiment aujourd'hui au débat ouvert en 2015. On a beaucoup réfléchi sur les méthodes, sur les manières de travailler sur les processus d'apprentissage, sur comprendre aussi nos savoirs et nos compétences. Et aujourd'hui, on ouvre une deuxième porte c'est la porte des controverses, la porte des enjeux. Quels sont les nombreux enjeux qui vont nous attendre avec ce type d'éducation Comment va-t-elle complémenter d'autres types d'éducation J'entends l'éducation à la santé, la biodiversité, l'environnement, et surtout comment introduire le conflit dans nos modes éducatifs. Très souvent les conflits sont hors des enjeux. Or ici, l'éducation au développement durable fait du conflit un enjeu fondamental. C'est ce qu'on peut attendre de cette forme d'éducation.